Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Donc j'ai gardé quelques emballages, plus ou moins des nouveautés, en tout cas des choses que nous n'avions pas encore goûtées. Je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par les chips, comme vous pouvez le voir il y en a pas mal. On s'est pris de passion entre guillemets pour les chips de la marque Bretz. Donc on avait découvert ça dans la Dégustabox. Et on avait plutôt bien aimé, en plus sachant que c'est des chips qui sont fabriqués en France, produits en Bretagne, on s'est dit bon bah allez on va goûter toute la gamme. Donc les chips de légumes, ça il me semble qu'on les a eu dans la dernière Dégustabox. Au niveau des chips de pommes de terre, super bonnes, bah après bon c'est des chips classiques mais elles c'était bien poivré. Les chips de carottes, c'était bon, voilà ça change des chips classiques mais c'était pas mauvais. Par contre, betterave, c'était super épais. J'avais qu'une peur, c'est qu'il y ait une chips qui se plante dans la gencive et on avait un mal fou en fait. On pouvait pas prendre. Voilà, il fallait vraiment prendre la chips de betterave toute seule et voilà. Donc, petit bémol sur ce paquet pour les chips de betterave. Après, sinon pour le reste, c'était pas mauvais. Ensuite, on a goûté fromage frais fines herbes. On a l'habitude de manger les Pringles à ce goût-là. Celle-ci, c'est très bon. C'est l'équivalent des Pringles. Mon chéri a un petit peu moins aimé, mais moi j'ai trouvé ça bon. Après, on a goûté saveur yakitori. Donc ça, c'est les brochettes de poulet un peu épicées. Et ça, vraiment, on retrouve le goût, en fait. C'est vraiment étonnant, on retrouve vraiment le goût du poulet mariné, tout ça, donc super bonne. En plus, à chaque fois, du coup, c'est arôme naturel, donc c'est top. Donc celles-ci, elles sont validées aussi. J'avais pris celle-ci pour mon chéri, saveur échalote au vinaigre balsamique. Lui, il adore ça, les chips aux oignons et tout ça. Enfin, moi, je suis pas tellement fan. Vinaigre balsamique, il les a trouvées bonnes. Voilà, on m'a dit si, en comparaison des autres chips que je lui achète un peu dans ce style-là, il a bien aimé. Après, notre grand coup de cœur, ça fait plusieurs fois qu'on en rachète, mais vraiment, c'est un carton plein, c'est au fromage du Jura. Donc avant ça s'appelait Comté, ils ont peut-être plus le droit de les appeler Comté pour l'appellation du fromage, je sais pas, mais en tout cas c'est la même chose. Elles sont super bonnes, elles ont beaucoup de goût, vraiment ça c'est de la marque, c'est notre coup de cœur. Et ensuite on a goûté saveur côte de bœuf grillé. Ben là pareil que les brochettes, on a vraiment l'impression de manger une côte de bœuf grillé quoi, le goût il y est, voilà, donc ça c'est vraiment, celle-ci aussi c'est validé. Après j'essaye de voir plus ou moins s'il y a d'autres saveurs. Là on est en train d'essayer au cèpe, je vous dirai ce qu'on en a pensé dans la prochaine vidéo. Mais dites-moi si vous avez testé d'autres saveurs et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime bien savoir et je pense que de toute façon on va toutes les tester. Et ils ont l'air d'avoir une gamme qui est assez large. Donc ça c'est top, on va pouvoir essayer plein de nouveautés. Ensuite on va passer, j'ai des pizzas. En règle générale les pizzas je les fais moi-même. Mais là il y a un midi où mon chéri est rentré manger, il m'a dit je prends quelque chose sur la route. Je lui ai dit bah écoute, prends des pizzas comme ça va vite. Donc il a été chez Lidl, donc il a pris la marque Alfredo. Donc pour lui c'était pris bolognaise. Donc il a trouvé bonne, voilà, bien garnie, la pâte assez fine. Donc vraiment il m'a dit que c'était vraiment bon. Comparaison à il n'y a pas si longtemps de ça, il avait voulu prendre une buitoni et il m'a dit voilà, je préfère mille fois la pizza de chez Lidl que la buitoni qui n'avait pas de goût, où on voyait vraiment qu'il n'y avait pas cette garniture. Celle-ci elle était plutôt pas mal. Et pour moi j'ai pris une 4 fromages, donc j'ai pris celle-ci au feu de bois. C'était bon, après les fromages n'étaient pas hyper forts quoi. Après, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme fromage?
Alors, emmental, ben, l'emmental, on sait que ça n'a pas trop de goût. Mozzarella, c'est pareil. Pourtant, ils utilisaient du gorgonzola, mais enfin, j'ai pas vraiment le souvenir gorgonzola, j'ai ouais. Mais voilà. Donc après, elle était bonne, mais c'est pas non plus. Voilà, j'ai connu mieux au niveau pizza 4 fromages, mais après, elle était bonne. Et il a craqué complètement. Il a acheté la Ristorante au chocolat. Alors j'étais un peu sceptique, mais je dois avouer que vraiment, ça se laisse manger en fait. Donc la pâte est elle-même avec du chocolat. Et bah, il y a chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir dessus. C'est quand même assez fin. C'est bon, mais après voilà, c'est un peu écœurant. Enfin voilà, vous prenez une pizza, si vous faites une soirée pizza entre amis, vous finissez par une part chacun de pizza au chocolat et ça va très bien. Moi, je sais que j'adore le chocolat et pourtant j'ai mangé une part et ça m'a suffi. C'est mon chéri qui a mangé le reste, mais sinon oui, c'est bon. Voilà, c'est vraiment ça a bien le goût de chocolat, c'est un bon chocolat, donc ouais, c'est très très bon. Ensuite, bah justement, on est dans le chocolat. Donc, il a voulu me faire plaisir et il a pris chez Lidl toujours du chocolat un peu style Lindt avec des choses un peu originales. Donc là, il m'a pris mousse au chocolat cranberry. Alors ça, quand il a ramené, bon, il a voulu me faire plaisir, donc j'ai rien dit. En règle générale, je suis plus chocolat au lait que chocolat noir. Mais alors ça. Ça, c'est une tuerie. Il y a en fait le craquant chocolat noir. À l'intérieur, il y a une petite mousse légère. Et vous avez une petite gelée de cranberry. Et en fait, c'est une tuerie. Ça, si vous en avez dans vos magasins, essayez parce que vraiment, c'est très très bon. Voilà, celui-là, si j'ai l'occasion, je m'en reprendrai. Ensuite, il m'a pris chocolat fourré saveur crème brûlée. Donc là, c'était un chocolat au lait. Je me suis dit, bah, il avait acheté celui-là et le cranberry en même temps. Je me suis dit, à tous les coups, celui-là, je vais m'en faire un régal et l'autre, un petit peu moins, je le mangerai parce que j'adore le chocolat. Il me faut du chocolat tous les jours. Mais ça, c'était bon. Je dis pas que c'était mauvais. C'était juste, du coup, trop sucré et un peu écœurant. Donc deux carrés de chocolat, ça suffisait à calmer mon envie de chocolat. Après, du coup, c'était trop sucré, trop écœurant. Mais sinon, ça, c'était bon aussi. Et ensuite, pareil, il a ramené un autre jour saveur tiramisu. Donc là, c'est pareil, chocolat au lait. Et j'étais un peu sceptique parce qu'en fait, j'aime pas le café. Et je me suis dit, si c'est tiramisu classique, ça sera avec du café. Effectivement, j'ai croqué dans le premier carré et je me suis dit mince, ça a vraiment fort le goût de café. Et en fait, mélangé avec une espèce de petit biscuit et puis une petite crème, c'était vraiment léger le chocolat, donc le chocolat, le café. Donc mélangé avec tout ça, c'était bon. Donc voilà, pareil, si j'en retrouve, j'en reprendrai parce que j'ai pas trouvé ça mauvais. Ensuite, on va passer avec les bonbons. Ouais. Alors, dans la Dégusta Box, on avait eu les Haribo Pie Pick. Pareil, ça, bah, les bonbons, voilà, nous, on n'est pas très très difficile. Ils sont bons. Après, pique, on n'a pas trouvé. Sachant en plus que mon chéri, lui, il n'aime pas trop trop ce qui pique. Quand j'ai goûté, j'ai dit tu peux y aller parce que vraiment, ça pique pas quoi. Il y a le sucre, mais ça pique pas. Dedans, il y avait goût Tropical Passion, fraise citron, Ice Tea Pêche et goût cola. Et franchement, ouais, non, ça c'était bon. Si j'en vois, j'en rachèterai sûrement. C'était pas mauvais. En une soirée devant la série, on a tué le paquet. Donc, ça, vous avez vite compris. Et ensuite, pareil, c'est toujours chez Lidl. Pour Halloween, ils ont fait les boîtes Croco-Win.
Donc c'était les classiques crocodiles, mais avec des parfums un peu Halloween. Donc dedans, il y avait des crocos tout noirs, orange, il y avait cassis. Et franchement, bah, ils étaient pas mauvais. Ça se mangeait. Après, ça reste des crocodiles. Voilà, les crocodiles, c'est une valeur sûre pour nous. Donc, ils étaient pas mauvais. Après, ça, je pense que c'est vraiment une édition Halloween. Donc, je suis pas sûre que vous arriviez à la retrouver. Mais si l'année prochaine, vous la voyez, vous pouvez y aller. Parce que les goûts sont différents de ce qu'on a l'habitude. Mais on garde le bonbon croco qui est très très bon. Ensuite, on va passer du coup à l'entretien. Je vous ai gardé plusieurs lessives. Alors, j'ai essayé la Super Croix Maroc. Fleur d'oranger et lait d'amande douce. Nouveau parfum longue durée. Ouais, longue durée, non. Franchement, ça sent bon. Quand vous sortez le linge de la machine qui est encore humide, ça, enfin qui est encore mouillé, normal, ça sort de la machine, ça sent la lessive, ça sent bon. Une fois que le linge est sec sur l'étendoir, après, il faut vraiment chercher le parfum. Donc pour moi, longue durée, c'est pas vrai. Après, si vous n'aimez pas avoir une odeur entêtante sur les habits, ça peut vous convenir. Mais en tout cas, longue durée, je suis pas d'accord avec ça. Ensuite, j'ai essayé les Ariel 3 en 1 pods. Donc j'ai essayé ça parce que bah, y avait un bon de réduction et que j'avais un coupon. Il me semble que c'était sur Coupon Network où ils me remboursaient. J'ai dû payer ça 1€, 1,50€. C'est pour ça que je l'avais prise. J'avais pris fraîche sensation. Et là, du coup, il y a de l'adoucissant avec. Ça sent bon. Ça, je dis que ça sent plus longtemps que le Super Croix. Voilà, pour ma part. Après, c'est pas non plus un truc extraordinaire. Hein, voilà. Mais bon, quand vous mettez votre linge dans le placard, ça sent encore la lessive. Voilà. Donc ça, j'en achèterai sûrement. Après, moi, ce que je fais la lessive, vraiment, comme je trouve ça hyper cher, j'utilise toujours les coupons. Je vous ferai très... Enfin, je vais essayer de vous la faire rapidement, la vidéo sur mes applications et mes sites où je télécharge les coupons ou les offres de remboursement. Parce que moi, la lessive, je l'achète que avec des coupons. D'ailleurs, là, mon chéri devrait me ramener aujourd'hui. Je vais essayer la Ariel Simply. Voilà, apparemment, ça serait une nouvelle lessive un peu parfumée et un peu moins chère que les autres. Donc voilà, comme il y avait un coupon, je lui ai donné. Je lui ai dit, tu m'achètes celle-ci, comme ça on l'essaye. Et ensuite, une chose que je rachèterai très 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 probablement, parce que c'est une tuerie, c'est les Unstoppable, les petites billes de chez Lenor. Ça, mais vraiment, ça parfume le linge, mais c'est une dinguerie, quoi. Mais alors, qu'est-ce que c'est cher pour ce que c'est? C'est incroyable. Je ne mettais pas la dose préconisée parce que sinon, en 2 semaines, vous n'en avez plus. Mais du coup, je diminuais les doses parce que ça sent quand même assez fort. Mais mon Dieu, que c'est cher, quoi. Je crois que ça doit faire presque 8 euros. Donc ça, je rachèterai, mais uniquement quand il y a des promotions chez Carrefour à acheter un gratuit ou si j'ai des coupons de remise parce que sinon, tout seul, à 8 euros, j'achète pas. Ça sent très bon, mais alors, c'est pour moi, c'est trop trop cher. Ensuite, niveau entretien hygiène corporelle, j'ai depuis des années, on utilise le Head & Shoulders. Alors, je sais pas si là, ils ont changé la formule, s'ils ont changé quelque chose. J'ai trouvé que au bout d'une journée j'avais les cheveux gras. Hier j'en ai parlé à mon chéri parce que je me suis dit que j'allais faire la vidéo et je voulais savoir son avis. Et pareil, lui m'a dit mais moi je comprends pas, j'ai l'impression d'avoir toujours les cheveux gras. Donc ça je sais pas, ils ont dû changer quelque chose dans la formule, mais en tout cas ça non. Sachant qu'en plus au lieu d'enlever les pellicules, enfin j'ai pas spécialement de pellicules mais ça me fait des plaques énormes sur le cuir chevelu. Donc non, ça vraiment je vais arrêter parce que
Ça ne me convient pas. Après, à savoir que si vous, ça vous convient, sur le site Envie de Plus, tout le temps, il y a tout le temps des remises pour les Elden Shooters. Donc voilà, je vous le renoterai là, le site Envie de Plus. Vous pouvez télécharger vos coupons, ça c'est à coup sûr, il y en a. Hein. Ça c'est la marque qui est là en permanence depuis des années et je pense que c'est pas prêt de changer. Ensuite, je vais attraper ça. Dans une dégustabox, il y a bien longtemps, on avait eu de l'huile de coco bio. Donc sur le dépliant, il nous disait cuisine ou cosmétique. Moi, je l'ai gardé en cosmétique. Ça m'a sauvé l'hiver dernier parce que j'avais la peau qui avait brûlé à cause d'une crème Neutrogena. Et j'arrivais pas, il n'y a rien qui me soulageait. Et ça, je me mettais ça matin et soir. Bon, je brillais de mille feux. J'ai pourri mes têtes d'oreiller, mais ça m'a sauvé la vie. L'huile de coco, maintenant, c'est devenu un indispensable pour moi. Ça, c'est 1 heure ou 2 avant de faire un shampoing. J'en mets sur les pointes, ça hydrate bien. Si vraiment j'ai des grosses plaques sur le visage, je m'en mets sur le visage le lendemain. C'est réparé. C'est vraiment une tuerie. Après, c'était la première fois que je l'utilisais. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas fini. Mais en fait, je savais pas, mais il faut le conserver au frigo parce que tout simplement, bah, ça tourne. Et en fait, je sais, voilà, vous allez voir, moi, le mien, un jour, j'ai ouvert, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est quoi cette odeur? Parce que ça sent très mauvais. Et en fait, en cherchant sur internet, j'ai lu que bah, du coup, il fallait le conserver au frigo tout simplement parce que ça fond avec la chaleur. Et du coup, en mi-saison, ça fait chaud, froid, chaud, froid. Donc, c'est des liquides la journée, ça redevient dur si c'est la nuit. Et ça n'a pas aimé. Donc, si vous en achetez de l'huile de coco, c'est magique ça pour moi, voilà, je vous dis j'en mets partout. Conservez-le bien au frais ou alors, bon là vu que c'est l'hiver ça va, parce que il n'y a pas besoin de le conserver au frais vu qu'il fait quand même assez froid. Mais voilà, mais sinon cette marque-là elle était très très bien, la Tour en gel. J'ai beaucoup aimé et ça j'ai découvert grâce à la Dégustabox, donc j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, on parlait de Neutrogena. J'ai essayé le masque Hydro Boost, étant donné que j'ai la peau sèche, donc c'est celui-ci. J'ai essayé parce que je voyais de nombreuses youtubeuses beauté en parler, comme quoi c'était miraculeux, qu'il était génial, tout ça. J'en ai fait une vidéo, je vous mettrai ça dans le petit i. J'ai essayé, moi ça m'a fait des grosses plaques sous les yeux pendant 3 jours. Donc pour moi ça c'est niet. En plus il coûte assez cher. Si vous voulez tout de même l'essayer, sachez que sur l'application Coupon Network, il me semble, enfin si c'est toujours d'actualité, vous avez 90 centimes remboursés sur ce produit-là. Dans tous les cas, tout est expliqué dans la vidéo où je teste le masque que je vous mettrai là-haut. Mais pour moi, ça a été un flop. Et définitivement, Neutrogena, je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans leurs produits que je ne supporte pas parce que c'est la deuxième fois que je fais des réactions de folie. Donc, ensuite, j'ai terminé une poudre compacte de chez Lidl. Ça, je me suis dit, bon, je vais tester. C'est pas pour le prix. Si ça me convient pas, c'est pas très grave. Sachant que ça coûte 99 centimes. Et au final, ça a vraiment fait le job. Ça matifait bien. Ça couvrait bien. Ça, dès que je peux me déplacer. Quand je récupère une voiture, c'est sûr je le rachète. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Ouais, je l'ai vraiment fini, fini. Et pour 99 centimes, franchement, ça je dis oui. En tous les cas, j'ai pas testé d'autres choses de chez Lidl, mais je pense que je vais essayer. Parce que vu les prix, c'est vraiment. On trouve pas moins cher ailleurs. Hein. Et pour terminer, j'ai une bougie. Donc pareil, c'est mon chéri qui l'avait acheté. Ça doit être la collection un peu pour Noël parce que je n'ai pas vu en temps normal de bougies ou alors c'était une promotion dans la semaine. Et du coup, il m'a acheté celle-ci. Ça sentait bon.
quand on était au-dessus. Après, ça n'a pas parfumé la pièce, mais dans tous les cas, voilà, quand on était à côté, ça sentait bon. Après, ça a bien brûlé. Vous voyez, le fond, la mèche ne va pas jusqu'au bout, donc ça a brûlé jusqu'au bout de la mèche. Mais ça a bien brûlé, ça a fait son job, ça a tenu quand même assez longtemps. Il me semble qu'il a payé ça moins de 3 euros. Vraiment, ça, voilà. Donc oui, j'en rachèterai des bougies, sachant que j'adore ça, les bougies. Je compte essayer pour vous les bougies bijoux. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal maintenant de marques qui proposent des bougies bijoux. Donc je vais vous essayer, je vais faire un comparatif sur ces bougies-là. Et je vous ferai une vidéo. Voilà. Donc on a fait le tour pour les produits de ce mois-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Ou un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!